les amis, vous êtes là. Le mec, il croit qu'il est chez lui. À table. À tous, bienvenue pour ce Cataskraft. Comment ça va, Lège? Ça va très bien, et toi, mon cher Zerator? Très ravi d'être là avec voilà. Toi pour ce Cataskraft 3 heures. Alors, Cataskraft, qu'est-ce que c'est? On va vous expliquer un petit peu. Le principe est très simple, c'est 3 heures de Minecraft. Donc, Du plaisir en perspective. Du plaisir en perspective. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui voulaient du SC2. Mais non, c'est du SC2. What a blague. Donc ça, c'est la blague que j'ai trouvée 10 minutes avant le stream. C'est moi qui ai fait ma bannière. Donc elle est pas mal, la bannière. Elle est pas mal. Tu l'as vu, la bannière, ou pas? Merveilleuse. Elle est merveilleuse. Donc il y en a plein qui étaient là. Quoi? C'est un scandale. Je quitte ce stream immédiatement. Donc voilà. Bon, voyez, on est déjà sur SC2. On est connecté. Alors on va faire un peu de 2v2. Vous allez pouvoir nous sniper. Et on fera peut-être pas que du 2v2 en fait. On fera peut-être des maps custom et tout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez faire. Peut-être pas des maps ZRT tout de suite, mais voilà, il faudrait que je te add en fait. Quel est ton... Alors, il faudrait que tu montes ton numéro, mais alors que tu ne le dises pas en live, parce que sinon ça va être l'apocalypse. Ah d'accord, ok, très bien, donc je vais ici... Non. Va-t'en, et mouse over. Voilà, stop. Ah ouais. Et pardon. Voilà, alors je vais te add direct. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à SC2, oui. les amis. Alors raconte-nous un peu donc, ta carrière. Donc je me suis log déjà, ouais. Battle.net m'a dit que ce n'était pas le bon mot de passe. Voilà, pour tout vous avouer, j'ai dû galérer pendant un quart d'heure pour retrouver le bon mot de passe. Okay. En fait, il y avait un genre de problème d'authentification. D'authentification. Ouais, j'ai pas bien compris. Je suis arrivé dans SC2, les amis. Ouais. J'ai vu StarCraft Arcade. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Arcade, qu'est-ce que ça veut dire? Okay. J'ai cliqué un petit peu dessus. J'ai vu en fait que c'était le genre de map que tu faisais lors de tes FunCraft. Arcade. C'est à peu près ça, si j'ai bien compris. En fait, j'essaie de tester des maps perso, les plus connues. Mais aussi surtout les maps qu'on fait exprès pour l'émission, c'est des maps ZRT. Et voilà. Alors n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son, genre s'il y a du grésillement, du saccadement, si on entend mal Lège, si on entend mal Zerator. Alors je t'ai ajouté, mais ça ne t'ajoute pas. Alors tu sais quoi, regarde. Give me that. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas m'ajouter. Oh là là, le gros tard sur SC2 que je suis. Oh, c'est ouf. Ouais, non, je n'arrive pas en fait. Je suis tout simplement bloqué avec ce jeu. Alors je vais mettre salut. Je suis Lège, ouais, le streamer. Oui, t'aurais pu rien dire aussi. Envoyer une requête. Et là, je reçois ta requête, c'est merveilleux. Voilà. C'est bien. C'est parti. Professionnel de SC2. Eh ben oui, c'est ça. Zérateur. Non, mais je gère, je maîtrise la situation. Alors, je vais t'inviter dans mon groupe tout d'abord pour que nous puissions jouer. Alors là, nous sommes dans le même groupe, tu te rappelles? C'est bon. Oui, ça, je m'en rappelle, c'est bon. Nous sommes dans problème. Le même groupe. Nous alors, sommes j'espère que mes hotkeys vont être bons. Ouais. Mais... Alors oui, alors faut dire, alors parce que raconte-nous un peu tes histoires de parce que tout à l'heure il faisait ses contrôles et je me suis un peu foutu de sa gueule et donc explique-nous pourquoi je me suis un peu foutu de ta gueule. Bah tout simplement parce que vas-y, dis-leur. Bah je joue déjà sur QSDF. Dis-leur que tu fais des gates avec Q, dis-leur. Non mais dis-leur. Bah oui, mais pour construire les bâtiments, c'est Q et puis pour faire sa gate, c'est Q. Mais aussi. Comment ça Q comme build? Mais Q comme construire. Exactement. Mais c'est pour ça alors. C'est exactement pour ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça dès le début? Mais c'est beaucoup plus simple, mon cher Zerator. Toi t'es là avec ton B, avec ton V, avec ton G. Mais non, ton F, BG ça, là. Ça ne rime à rien. En plus ça fait beau gosse. Tu ne réussiras jamais. Ah ouais? Dans les jeux vidéo. Bon, je suis un peu deg, mais. Il faut des hotkeys de professionnels. QQ pour faire la gate, QS pour faire la farm. La farm, le pylône.
C'est pareil. C'est pareil. Mais alors du coup, comment tu fais pour faire, par exemple, là, si je te dis comme ça, tac, un Nexus, tu fais QN ? Bah non, je vais faire un autre truc, mais là, je me rappelle plus exactement. Donc peut-être QA, tu vois. Mais alors, comment ça se passe ? Tu t'es mis en gris Je sais pas. Je me suis mis en standard. J'ai créé un profil Lege et puis après j'ai mis mes OK. C'est mal barré. C'est mal barré. Voilà. C'est, je sens que je vais me retrouver avec un mec qui sait pas faire les bâtiments. Ah, peut-être. Surtout que je vais jouer random. Non, c'est pas vrai. Bah, on fait double random. On fait double random pour les hommes. Je pense que c'est assez clair. Ok. J'espère que vous êtes chaud en tout cas sur IRC. Non mais grave. Votre télé. Nous, on est très très chaud. Random, attendez. Ouais. Alors vous aurez ma vision du jeu, mais plus tard on mettra en place le fait que vous puissiez voir les écrans alternés. Vous inquiétez pas. Et pour League of Legends et pour StarCraft 2. Et on fera des petites coupures entre chaque game. Voilà. Histoire de reprendre. Vous avez pris un petit peu l'habitude, histoire que l'aige boive un coup, tout ça, qu'on se sèche le front à cause des éclairages qui sont atroces. Enfin, ce genre de truc. Et il y aura une VOD bien sûr sur ma chaîne YouTube. VOD d'ailleurs que je couperai en deux au milieu du live si j'y pense. Oui, donc essayez de nous y faire penser. Parce qu'un VOD de 3 heures, bon, c'est pas... C'est long. Déjà, 2 heures, c'est un peu long. C'est long. Mais là, voilà. Donc, 19h30, c'est ça la moitié de l'émission. Je couperai la VOD si j'y pense, s'il vous plaît. vous pouvez m'y faire penser. J'ai une mémoire de poisson rouge. De poisson rouge, et alors, c'est en fait, bien dans mes lives, on m'avait dit que les poissons rouges n'ont pas une mémoire si courte. Enfin bon, c'est un mec qui m'avait dit ça, un océanographe. Un océanographe. Il y a des mecs comme ça qui nous écoutent. Qui oui. Avec des vrais métiers. Oui, oui, oui. Parce que moi, généralement, je pensais que c'était des étudiants. Alors, moi, des j'ai chômeurs, un vrai métier. Hein. Alors, c'est parti. On est contre Alex Uphorus et Gagoun. Et deux randoms. Comme nous. C'est un truc de fou. Et on est sur Cratère en Fusion. Alors, j'ai pas fait de veto hein, des maps. Ouh là là, Cratère en Fusion, mais mon gars, mais. C'est une ancienne map, ça ? Non, c'est une En fait, je fais map. Très peu de 2v2 récemment. Donc franchement j'en sais rien, mais je pense qu'on s'est fait chain snipe hein. Là à mon avis on va tomber que contre des viewers. D'accord. Mais c'est pas grave, alors vous allez voir, bon là, vous avez l'avantage quand même. Merci. De voir l'écran du joueur le plus nul. Parce que ce qu'il faut dire c'est que Lege, bon. Non bon, mais arrête, il, tout de suite. Il va mettre 2-3 games à se réhabituer hein. Mais oh là là, quel magnifique split de drone j'ai fait. Ok, c'est la merde. Bon. Oh la sensi, la sensi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a ta sensi? Oh, la sensi est beaucoup plus beaucoup trop grande. Et je spike. C'est alors, bon, je quitte la game. Non, quitte pas la game. Quitte pas la game. Alors moi je suis tombé Zerg perso. Toi tu es tombé quoi? Je suis tombé Terran mon cher Zerator. J'aurais dû six pool, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Est-ce que vous entendez le son du jeu? Est-ce qu'il n'est pas trop fort? N'hésitez pas à me faire un petit retour, n'est-ce pas? C'est pour vous que nous sommes là. Et voilà, alors, vous allez entendre nos claviers comme ouais, ça c'est déchaîné bon, ça. Et encore moi j'ai un clavier mécanique hein, donc on entend tout ça mais Lege a un clavier nul. Un clavier de PC portable hein, pour tout vous le truc tout mou dégueulasse là donc là donc, faut les bloquer Zerator je crois. Faut les bloquer? Non faut aller bloquer. Oui toi tu vas bloquer mais tu vas bloquer ta base hein. Ah, ne bloque pas notre grande entrée de la mort. Alors là j'arrêtais pas de faire des drones alors j'ai pas d'overlord voilà. Ça promet. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais je stresse pour pas. Cette première partie. Non mais ne panique pas, il y a aucune pression. On sait qu'on est les meilleurs au fond même. Scoot. Non, ne commence pas, ne me fais pas la pression, je t'avertis. Moi je ne joue pas avec la pression hein. Ça c'est une catastrophe totale. Bon alors attends, j'y vais, je scoot. Je vais lancer mon spawning pool à 14. Ce qui est pas top hein, comme timing. Mais vous savez moi Bon je les circle. Mais ça va pas, il est malade. Donc ouais. Tu t'es fait un drone? Bah je me suis fait un drone, free. C'est bien joué. Celui qui scootait et tout, on aura... Ils vont pas savoir qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit j'ai la chef. Et moi je suis parti pour tout avouer sur Banshee Fast. Banshee Fast. Ok, pas de problème. Tu m'as fait bien peur avec ton drone. Donc là tu joues sans le son carrément. Je joue sans le son, ah je suis connecté. Ok, t'es ok. Connecting people quoi. Exactement. Oh, attends, je fais deux raffineries, je sais pas du tout si c'est le bon build. Non. Deux raffineries. Je suis sûr que c'est pas le bon build. Disons qu'il y a mieux, il y a pire. Deux raffineries, non, c'est une horreur. Alors attends, là il y a un Terran qui est parti sur double Raxa 11. Gros rush dans notre gueule, Lege qui arrive. Ah bon? Donc j'espère que t'es chaud. Ah non, pas du tout. Ok, bah c'est pas grave. Je vais faire un ou deux Zerglings juste histoire d'aller checker les Xel'Naga Tower. Et nous avons un Zerg qui a déjà son panic pool. Oh putain de. Non, mais je viens de l'avoir le mien en même temps. Bon. Il faut que tu fasses des units. Il faut que je fasse des units. S'il te veux plaît. Pas que je gotte deux. Fais une deuxième rax. Non, tu vas pas gotter deux. Non, tu vas pas gotter deux tout de suite en fait. C'est ça le truc. Alors juste moi je gotte deux. Je vais faire mon boost métabolique de ouf là. Et si on mettait ce drone? Non, on va pas mettre ce drone là. Ici tac, le boost métabolique. J'ai fait M. Ça c'est pratique comme raccourci, tu devrais te le mettre. M pour pas faire. M comme boost métabolique bien sûr. Donc hein voilà. M comme boost métabolique. Ouais, mais je clique sur M, ça fait rien. Mais c'est normal.
Bon, qu'est-ce qui se passe, Lège? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on encaisse le rush et après on expo, ou on expo, bah les steaks et on voit ce qui se passe? Moi je suis parti sur Bunchy. Tu m'as dit de faire une deuxième caserne. Je fais la deuxième caserne. Non mais des unités aussi. J'ai deux marines. Ça va, je gère. Lance ton obus incapacitant et fais des maraudeurs. Oui, oui, je. Maraudeurs. C'est déjà prêt. Regarde un petit peu mon. Ton BO? Ouais, regarde, ton BO. Là je suis parfait là. Là t'es Tech Lab, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Alors faut voir juste à quel point. Bon après, s'il rush pas, moi je suis open à toute tentative de tier 2, j'ai envie de dire. Y a pas de problème. Oh, mes injections c'est magnifique, j'ai du retard. Et tu sais quoi, je vais go B2. Je vais go, oui, B2. Go B2. Oh là là, aller un petit peu derrière, je suis un peu nul. Et pendant ce temps là, je vais aller scouter la B2. Ah, très bien. De très notre bien. Ami Zerg. Alors, bon, ok, il y aura pas de scouting de B2. Il a pas mal de Marines déjà. Hein. Ouais, c'est un peu. Très le bien, bordel. C'est pas grave. Alors, je vais faire mon Batabanling tranquillou. J'ai plus d'unité. Voilà. Et là, s'ils arrivent maintenant, on a perdu des choses direct. Ah ouais? Ah ouais, je peux vous dire. Il y a beaucoup trop de Marines. Donc, attends, toi, c'est fermé, etc. Enfin, ça... ouais, ah non, c'est mais t'es complètement fermé. J'ai tout fermé, nickel. Ah ouais, là, niveau farming, je suis à fond. Je suis complètement à fond. Donc voilà. Bon, j'ai pas assez de drones, mais ils arrivent, j'ai peur. Ils ont beaucoup d'unités. Bon, il y a un Groverlord qui sort. Voilà, c'est bon. Mon Groverlord est sorti. J'évite de me faire chasser. Ils arrivent! Ils arrivent. Oh, il y a masse unit. Il y a masse unit. J'ai oh, rien. J'ai rien. T'as rien. J'ai rien. On va se faire rouler dessus. Oh la vache. Moi, je suis parti sur usine, mon gars. Oh, on va se faire rouler dessus, mec. Mec. Ah, mais. Ah ouais, je vois la masse qui arrive. Oh, ah, non. Y a beaucoup. Non. Ah mais non les mecs, ne faites pas ça, vous êtes en train de regarder le stream. Attends. Ouais voilà, ça c'est bien. Attends, ouais c'est bien. Bon, moi au moins je les défoncerai. J'ai des balles. Ok, je me casse. Vas-y, non mais c'est... Attends, viens dans le cul avec des péons et go, tout. Go, viens dans le cul avec des péons. J'ai des balling qui sortent. Oh, ça va faire mal. On se défend. Bon, j'ai mis les balling sur les roads, j'étais un peu nul. Mais je pouvais pas micro aussi bien que ça. Je vais perdre ma queen, la vache. Oh, l'injection de ouf. J'arrive, hein. Donc, ouais, je suis là, vas-y, sors. Je vais avoir des zerglings qui arrivent. J'arrête de go. Non, go. J'ai des zerglings qui arrivent. Oh, je vais perdre toute ma. Oh la vache, je vais tout perdre. Oh la vache. J'ai tellement deck, quoi. Mais non, vas-y, go là. Ouais, go. C'est bon, nickel. Je vais sortir tous les péons, comme tu dis. Allez hop là, vas-y, go, on est tellement chaud. Oh là là, c'est une catastrophe. Mais non, c'est bon là. Ouais, c'est bon, nickel. C'est bon, on est défendu. High five. C'est bon, y'a pas de soucis. High t'as five. Vu ce qu'on leur a mis? C'est bon, moi j'ai une B2, pas de problème, j'ai de l'avance niveau macro. C'est chez toi. Oh bordel. Attends, là faut choper les renforts là. Les renforts à gauche. Ah ouais, bah. Les renforts là. Mais. Là derrière, go. Vas-y, go, je suis là. Bon, j'ai deux zerglings. Oh merde, mais les marines d'attaque. C'est insuffisant. Oh la vache, lèche. Bon, continue de prod. On n'a pas perdu pour l'instant, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Ouais. Non, si, on est bien. Oh bien. Et t'as des marines là. Ouais, c'est à toi ça. C'est fait exprès. Mais il y a des mecs devant ta base, c'est l'apocalypse. Hein, oui, c'est l'apocalypse. Je n'arrive plus. Attends, j'arrive, vas-y, avec tes marines là. Des zerglings qui tentent. Non, attends, les zerglings tentent. Voilà. Il y a des roches qui ont peu de points de vie. Là, voilà, la mort. Voilà, la mort. Montre-moi la mort. Nickel. Non mais sors pas tes péons pour ça. Toi tu viens trop de Warcraft, ça va pas du tout. S'il sort ses péons à chaque attaque, ça va pas le faire du tout. Ah, ça va pas le faire. Ok, on repart en macro. Moi ouais. Je suis chaud pour repartir en macro. Ouais, super. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, mon cul, ouais. Donc là j'ai fait exprès d'attendre 50 pour faire l'injection et tout, compagnie. Alors c'est parti pour le tier 2. Voilà, fallait appuyer plus fort, c'est rien. Donc, what the fuck, qu'est-ce qui se passe avec mes drones là? Ok, j'étais en point de ralliement sur le gaz, tout va bien. Je suis à combien de drones? Ah, tellement peu de drones, c'est une catastrophe. Comment tu vas niveau macro? T'as un VCS dehors, t'es tout bon? Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais pas du tout. Donc, comme moi j'ai deux groupes, je joue avec deux groupes hein, pour l'instant, c'est full PGM. Qu'est-ce qu'on est nul en la page? Ah non, moi je suis avec 4 groupes. 4 groupes, donc nickel. Ouais, mais toi t'as des baraques et tout. Ouais, c'est à peu près ça en fait. Je te la pète. Bon, je vais aller voir ce qui se passe du côté de nos ennemis là. Ah, mais c'est pas du tout ça. Ok, y'a masse unit. Qu'est-ce qu'il y a comme unit exactement? Y'a des marines et des cafards. Donc il te faut des maraudeurs. Je fais des bunchy. Ok, pas de problème. Mais tu sais qu'ils stream hack, hein, donc faudra que t'ailles dans leur écho. Enfin, genre essayer de faire des brain moves, quoi, tu vois. Oula. Tu captes? Parce que je parle anglais, hein, mais je pense que tu captes quand même. Oui, enfin des brain moves, ça devrait aller. Donc des ouais, des GG skills. Des déplacements de cerveau, quoi. Des GG, GG non. Ah, mais j'ai un péon là avec moi. Un péon, ouais. Il y a un péon avec toi, ouais. Il est à ma droite. Oh la vache. Ah, vache. Comme tu dis, ouais. Si je me fais drop, quoi, c'est trop la fin. Ah, il y a un gros péon avec toi.
Ah, cette blague, elle déchire. Alors, attends. Là, j'ai mon tier 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a le tier 2? On fait la fosse d'infestation, bien sûr. Et on fait la reconstruction gliale. Et je n'ai plus de gaz. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Ça ince. Et mec, comment tu fais pour avoir si peu d'unis? Ah, t'as des banshees. Tu veux pas qu'elles nous aident dans la bataille? Non. Tu don't care. Un peu, a little. Tu. Ok. Tu doesn't care plutôt. Oh, alors. On va être bien dans la bataille. Non, on est très mal, ouais. On est très mal. Ça arrive. Ce que je te propose, c'est que tu viennes m'aider. Tout de suite. Donc là, j'ai beaucoup de zerlings, mais pas suffisamment. J'ai pas mon boost. On se fait éclater. Ah ouais, on se fait éclater. Gueule. Bon, je crois qu'on peut dire GG. Attends, j'ai des banshees. C'est bon. Ok, seems legit. Donc, moi j'ai pas de gaz, c'est pour ça que j'ai perdu. Je vais aller B2 à l'autre bout de la map. Et on tente la technique retarde de V2. Fais gaffe là, Queen t'attaque. On est d'accord. Donc là, hop, on va les faire récolter un maximum. Non, pas du tout. On va essayer de sauver les gros overlords, essayons de sauver quelque chose dans cette game. Dans cette game, voilà. Voilà, tac, tac, tac. Tac, vous allez aller ici. Toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais nous faire des cafards. Non, des overlords, tiens. On va faire que ça. Alors, Qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire d'autres bases. Je vais aller faire des bases un peu partout. J'ai beaucoup de minerais, donc on y va. On y va, le temps qu'ils les trouvent, de toute façon. À moins qu'ils. Ah, t'as deux marines en plein milieu de la map. C'est assez. Spécial, mais intéressant. C'est pour vous couper le backup. Ouais, je comprends. Je comprends. Bon, je suis passé avec mes drones là, donc c'est une catastrophe. Donc, bonne Macron, on me dit, mais Zerator, tu manques de larves. Et ben ouais, exactement. Vous avez tout compris. Vous êtes des pros. Alors que moi, du coup, niveau pro. Alors, ils arrivent chez toi, hein. Je te mets pas la pression. Tu peux décoller ton CC si tu veux, mais c'est pas obligatoire non plus. Et donc là, t'as beaucoup de chars pour te défendre. Et ta banshee. Oh, mais ta banshee. C'est bon, mon gars. T'as mis de banshee en point de ralliement, mec. Elle a fait. Regarde, elle est morte. Attention, les marines, ça tire en l'air, hein. Non mais genre no joke. Genre serious business. Les banshees, les marines tirent en l'air. Ah ouais, elles sont invisibles et tout. Focus les marines. Oh, tu focus les marines, c'est un pro quoi. J'ai l'impression que t'es un pro. Focus complètement les marines. Donc moi j'ai 10 000 bases. Pour l'instant ça va. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Je vais toutes les mettre dans mon groupe là. Vous allez voir ce retourne. Ah bon. Bah j'ai win. On a gagné. Ah, mais t'as détruit l'écho. Mais oui. Oh. Ouais, mon gars. Ah, moi je suis comme Alon, je regarde pas la minimap, hein. On est en train de win donc. Ah ouais, yes quoi. Attends, je refais un spawning pool. Je l'ai perdu en spawning pool. Oh, hey, oh. Hey, bon, c'est qui est carré. Et regarde, ils étaient gold. High five, ils étaient gold. Ah putain, c'était fort en plus. Ah bah attends. On est parti quoi. Oh. Bah oui, c'est tout. Oh si, c'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Eh, moi, avec mon clic à goule. Bah, c'est vrai. Mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Ah, Banshee, on est d'accord. Banshee. C'est l'unité. Ah bah c'est invisible. Ah bah. Attends, au bout du T1, c'est sûr que c'est énorme. C'est tout. Bon, allez, deuxième game là. C'est bon, on est reparti. Oh la vache. On est reparti. Je suis deg de ce qui vient de se passer quoi. Ah bon? Bah non mais non je suis pas deg. Bon, il y a un décalage son sur la voilà. Non, mais ça c'est pas très grave. Ça c'est pas très grave. Ouais, décalage son, je sais pas pourquoi. Est-ce que si je mets tous mes détails en minimum, ça enlève le décalage? Parce que j'avais une théorie là-dessus. Je suis en train de suer. StarCraft 2, c'est un autre jeu hein, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. Non, mais c'est concentration etc. Je sais pas comment tu fais pour parler durant la game. Mais moi j'étais en mode ouais, alors QQ, QS, QD. QD, QQ, QDS, QD. Re-QQ, re-QS. Voilà, il y a encore masse décalage. Le bordel quoi. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis bien content. Est-ce que tu peux me laisser parler 30 secondes à propos du Facebook? Bien sûr. Le Facebook. Vas-y, pendant que j'essaie de. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je me vois bien en train encore de lever la main alors que ça faisait 4 minutes. Je le vois bien le décalage. Alors... Donc, le Facebook, les amis, Facebook de la Millennium TV 2. Oui, il y a un Facebook maintenant pour tous les programmes, toutes les petites vidéos un petit peu fun, des photos de nous en train de travailler à la GS, à Marseille. Et puis, bien sûr, les jeux concours avec une petite question que vous a posée Sakia en début d'après-midi. Allez répondre sur le poste pour pouvoir gagner la cocotte en papier. Mais non, elle a déjà été gagnée. Non, c'est là. Ah bon? Mais oui. T'en es sûr? Oui. Mais pourtant on m'a dit que... Mais moi je sais pas, on m'a dit que non. Je crois qu'elle a déjà été gagnée. Non, elle n'a pas été gagnée. Allez répondre sur le post les amis. Allez essayer de... Regarde sur le Facebook. Il n'y a aucun souci, allez répondre. Facebook, Millennium TV 2.
Il y a une cocotte en papier signée de tout le monde, Zerator, Noxer, Chazzy, Twix et moi-même de la GH. Yes. C'est la cocotte en papier qu'on avait faite lors de l'émission de lancement. J'ai vaincu le décalage. Très bien. Que pour l'instant. Twix avait fait durant l'émission de lancement. Grosse valeur. Il y a des gens qui veulent le nom de ton coiffeur. C'est vrai que là. Là, je suis pas mal. Là, on est sur du très lourd. Non, mais là, moi, je me trouve pas trop mal. Legendary, ça sera encore mieux ce soir. De minuit à 2h du matin. Ne vous inquiétez surtout pas. Petite pub aussi pour l'émission juste après nous. Ça sera la Cdiscount Cup. Exactement. Eclipsia contre Hello Blade sur League of Legends. Et ça va être très, très chaud. Très, très grosse cup. $1000 de dotation, etc. Carrément. Twix et Jack qui commandent. Donc, ça va être très, très bien. On retourne dans une petite game ou tu veux faire une petite pause? Yes. Bah, la petite pause, comme d'habitude. Ouais. Et ensuite, on part sur la game direct. Donc, et bah, très bien. Donc, à tout de suite pour la deuxième game. Reparti, j'avais oublié de mettre le micro, c'est quand même dommage. On est reparti direct et qu'est-ce qui se passe? On est en chargement. Ouais, et on est toujours double random. Contre DB Morta et Bean Machine, donc la machine à haricots, littéralement. Voilà, et et ouais, tu fais quelques étirements. D'accord. Et on est sur ruine de temple. Oh la vache, sex pool. Oh, ça, ce lag, ça me permet de faire un parfait split. Regarde, boah, t'aurais vu. Oh, quel gros tard quoi, tous sur le même minerai. Bah ouais, tous sur le même minerai, attends. Hi, j'ai la chef. Voilà, c'est parti. J'ai fait un split, mec. J'ai fait un split. De rêve? Non, mais tellement, attends. Voilà. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à mettre tous mes raccourcis en CC sur toute la barre. Donc c'est très très utile comme tu peux le voir. Alors là je suis sur 9, on va partir sur le dépôt. Non, tu vas pas 6 pool? Ah si, c'est là, je suis parti pour, okay, pour pool. Est-ce que tu sais ce que c'est un 6 pool? Ouais, non, mais c'est un 8 pool en fait. Oh, c'est quoi ce... Un 8 pool, 8 pool. Oh, ça sent le rush photon. Ça sent le rush photon très bien. Je sais pas, non, je sais pas. Moi, c'est juste qu'il scoute très tôt. Bon, c'est un peu con de scooter à ce point là, mais... bah écoute, je vais le suivre, on sait jamais. Mais non, contre double random, moi je suis plutôt d'accord avec lui. Ah ouais, il t'a raison, j'avais oublié ce facteur là. Faites des fast scouts contre les doubles randoms, sinon vous allez avoir des... J'avais oublié ce facteur là. Ouais. C'est vrai. On oublie souvent les facteurs, donc. Donc voilà. Donc il y a Rominov qui a linké le Facebook sur l'IRC, je vois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les infos en exclusivité, les informations, les photos, les t-shirts, les casquettes, tout ça, c'est sur le Facebook. Et là, je fais ma rax direct à 11. Donc un rax plutôt, eh bien, comment dire, early game, j'ai envie de dire, alors que je continue ma macro. C'est une catastrophe. Gaffe à son scout, il est pas ressorti. Ouais, je sais, il est là, il part sur la droite, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, c'est pas grave. Il part sur la droite. Mais il triple, mec, il triple. Hein. Je le comprends, il est protos. Bon, triple. En fait, je fais pas un hate pull. Ah, voilà. Non, mais t'as fait. Oh, si, bah si. Ah, non, attends. Je suis un peu n'importe quoi. Ne me dis pas que t'as fait un six pull. Oh, un pylône chez moi. Oh, allez, on y va. Un pylône chez toi? Ouais, et hop, je les surround. Et c'est annulé. Allez, bâtard, t'as live la game. Un petit peu trop de péons pour faire ça? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, je voulais foncer sur le pylône avec tous mes péons. D'accord. Je voulais pas, surround avec ça. Et puis au moins, on est safe. On sait qu'il a perdu 25 de minerais, ce qui est quand même énorme. Je pense que tu peux le concevoir. Et voilà. Ouais, à haut niveau, ouais, c'est énorme. Non, c'est énorme. Je pense que tu te rends pas compte. Mais attends, comment ça, haut niveau? On n'est pas encore classé, on sait pas quel niveau on a. Hein. Tout à l'heure, j'ai essayé avec le mauvais raccourci de faire un truc. Bon, donc voilà. Forge, hein. Forge fast. Forge fast. Ah, la grosse. Bon, bref, GG, j'ai bien surround. Et j'ai un premier marine. Je vais aller attaquer avec, mettre la pression. Ah non, il y a un canon. Non, mais c'est fini là. Il y a pas un. Il y a un VCS là. Double fast expo, mon gars. Fast. Elle est là. Ah, double jack drept. Donc voilà ce que nous a dit l'ami. Il y a un rax ici. Il faut absolument mass zergling. Faut mass zergling. Tac. Non, mais moi je suis pas du tout bien là pour mass zergling. Je m'en fous complètement. Mais alors, mais tellement, je m'en fous tellement que. Oh bordel. Oh mec. Ouais, j'ai un mix qui arrive. Ok. Avec la meilleure micro, je pense que je peux y arriver.
Bam. Ok, il a mis au niveau point. What the fuck. Oh, c'est pas bon du tout. Je suis trop deg et j'ai même pas fait ma mule. Quel gros retard. Allez hop, je pars sur une troisième Rax direct. De toute façon, je vais partir sur Rax après. Mais oh la vache, j'arrive. Exploser la gueule quoi. J'arrive. Et sinon, c'est pas les herbes normalement qui font des unités rapidement. Ouais, non, mais je me suis planté. Attends, t'as deux Ling. Ouais, j'en ai plus. T'as deux Zerling. Regarde. Ok, ah, il y a un bunker. Fonce lui dessus, il y a qu'un VCS, c'est bon, c'est safe. C'est safe? Ouais, c'est safe, go. Bah non. Si, c'est safe. Ok, je perds tous mes VCS. Mais non, pas du tout. Non, mais non, ramène pas tes pions, Oh la vache. Oh, qu'est-ce que. Heureusement que t'es bon en late game. Hein. Ouais, c'est bon, c'est safe et tout. Parce qu'en early game. Ouais, comme, c'est bon, c'est safe. Oh la vache, bah écoute, adieu l'Overlord. Alors là, mais on s'est tellement fait mais déchirer. Merde. Je vais faire un bunker dans ma base. Allez hop, je fear of the dark là. Hop là. J'ai tellement pas de marine et j'ai tellement plus de dépôts, de ravitaillement et de ravitaillement tout court. T'as des glings là, là je sens que t'as des glings, t'as même des roaches. Tu vas venir et tu vas m'aider. Il fait son hit and run, il se la pète beaucoup trop, ça m'énerve beaucoup trop. Alors par contre, vu que j'ai pas trop besoin de minerais et que je n'ai plus de dépôt de ravitaillement, genre plus du tout, j'ai fait un bunker complètement useless dans ma base, on va le cancel, on va annuler tout ça, on va refaire. Et ok. Et tu vas me donner de la thune. Non, pas du tout. Je vais faire un dépôt supplémentaire par le biais de mon command center. Et ça ne suffit toujours pas. Si, ça suffit pour refaire des unités. Alors, excuse-moi, j'ai une question assez pertinente. Oui. Le Protoss, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il fait masse porte-nef. D'accord. Donc, voilà. On est en train de se faire ridiculiser. C'est par ça un mec, exactement. Non, mais il a forge fast. Je sais pas ce qu'il va faire. Attends, là. Bon, viens, on va sur le bunker. Ça me saoule. Ouais, j'arrive, attends. Ouais, t'arrives, c'est-à-dire à quelle heure? Là, il y a des zélotes et tout. Vas-y, go. Ouais, il y a des zélotes. Go. Encaisse. Voilà, allez, meurs. Il a pas eu le temps de recycler. Non, le bunker! Bunker aussi! Oh la vache, mec! Mais il fallait pas qu'il back avec son stalker. Non, là, il a dû décoller sa Rax normalement, s'il est intelligent. Voilà, depuis 2 heures en fait. Mais bon, on peut pas go, il y a des canons au passage. Ouais, ouais, mais c'est juste pour le. Ici, quoi. Au passage. Pour regarder qu'est-ce qu'ils font quoi. Donc moi je suis très mauvais, je joue très lentement et très nullement. Donc toi tu vas me faire un petit spatioport pendant que là on va faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, t'as go. Vas-y go, y'a qu'un bug. Oh mais encaisse. Vas-y go. S'il sort plus d'un VCS, on se casse. Non c'est bon. Un VCS. Ouais, encore bunker. Ouais, alors là on va aller à gauche. Défoncer l'expo de notre ami Protoss qui lui ne peut pas décoller son Nexus. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Il a pas expo. Bon, va voir s'il y a qu'un canon avec un roach suicidaire s'il te plaît. Non, je vais plutôt aller mettre mes roaches sur les deux. Non mais trop pas. On va monter pour voir ce qui se passe. Non, pas non mais s'il y a 0 unit on fonce. Il y a 0 unit mec. Il y a 0 unit. Il y a genre 5 marines. Mais et... moi j'ai rien. Toi t'es mignon mais moi j'ai rien. Mais t'as des roaches, moi j'ai une masse marine, un truc de malade. Et moi je suis parti sur B2. T'es parti sur B2. Alors là ils sont sortis, ils ont explosé. Et je sais pas ce que font mes marines. Ah mais oui, mais ça c'est le fameux pathfinding de Blizzard. Merci. Alors on repart. Il me faut un VCS. Comment on fait pour enlever les tarbes qui te spam comme ça sur. Tu peux en occuper à droite, dans le truc 4 là. Ouais. Et tu fais le truc vert. Occupé. Très bien. Voilà. Brainhead. Au revoir Max Fab. Voilà comment ça se passe. Lift. Allons-y. Hop, lift. Oh mais j'ai pas encore B. Est-ce que je fais Banshee pour rigoler? Oui. Est-ce que j'ai pas de gaz pour rigoler? Parce que j'ai même pas des. Oh là là, les mules et tout. Oh je me fais tellement mal quoi. Je me fais tellement mal avec ce stream.
me fais mal, mais... Non, mais moi, ça va. En même temps, t'as aucune pression, tu vois. Ah, moi, aucune. Moi, je me fais mal. Attends, j'ai reçu tellement d'insultes après notre double LOL. Ah ouais? Ouais, t'es trop nul et tout. T'as vu, qu'est-ce que tu fais? T'as 400 games sur League of Legends. T'as trop pas carré ta game en normal game. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais là, mais arrête. Oh là là là. Joli rally point, Zerator. Et ouais, mais c'est la catastrophe. Alors, qu'est-ce que. Ok, t'as mis tes rolls sur les B2. Là, y a des mecs là. Ils vont peut-être. Ah non, c'est vrai qu'on peut plus faire ça. Ils vont peut-être casser la caillasse ici. Il y a une caillasse à gauche. Enfin, en fait, plutôt là. Si je t'avais visé. Voilà. Donc tu devrais checker ça peut-être. Oui, je vais le faire. De toute façon, moi, je vais... Il y a un ops ici. Oh, il y a un ops. Oh, je vais... Oh. Attention, 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 meurs. Ok, j'ai le steam pack et le stimulant. Je vais même faire les objets incapacités en cas où. Et donc les Banshees, bah, ça se passe bien, ça va commencer maintenant. Et là, on va plutôt lift ça et faire maintenant des réacteurs. Réacteurs, c'est quoi la raccourci de réacteur? Bah oui, c'est comme réacteur. Go là et go. Oula, mais je suis pas du tout prêt moi. Quand ça te paye tout vrai? Faut que je pose mes deux forges, mon aiguille, ma grande aiguille, mon T3. Tes deux forges, d'accord. Donc, ok, les deux forges, c'est bien. Ça fait plaisir de jouer avec toi. Et Donc là on va faire un centre technique, là on va faire un laboratoire technique, là on va faire une mule, on va faire revers des VCS parce qu'on est un peu dans la merde là niveau macro. Bon, moi je suis plutôt bien, je suis assez fort pour l'instant. Non, pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est bon, t'es en train de défendre. Ouais, c'est parfait. Je défends grave. Alors tu peux nous sortir peut-être une tumeur muqueuse et oublier ta prochaine injection si t'as trop de larves. T'as pas trop de larves. Tu peux faire une macro hatch, t'as beaucoup de minerais. T'as beaucoup de minerais, fais deux macro hatch. Non, c'est bon, t'inquiète. Fais deux macro hatch. Je sais t'es que pour les fais. Mutas. T'es pour les mutas. Oui. Ok. Et c'est par contre c'est 3 au gaz. Hein. Ce n'est pas 18. Oui, bah j'arrive. Excuse-moi. Okay, okay. J'ai pas. Y a un drop ici. J'ai pas la micro. Un drop ici. Pourquoi faire? Je sais pas. Un drop Protoss. Pourquoi? Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais il y a un drop. Ok, là il y a des marines, tu vas perdre des overlords, lèche ton point de ralliement, dépêche-toi, t'as 2 secondes. Qu'est-ce qu'il foutait là, ton overlord? Mais c'est des rally points. Hop, les Banshees. Oh là là, qu'est-ce que je suis lent, je connais même pas les raccourcis des Banshees. Oh la vache. Il y a le drop Protoss qui s'en va. Ouais, il est content. Bien. Je vais faire une tour de détection ici, mais aussi là-bas. Non, merde. Là. Non, là, non. Attends, j'ai pas assez de gaz. J'enfuis ma queen. Ah. J'enfuis ma queen. Ok, donc là, je récolte toujours pas de... Qu'est-ce que je suis nul. Oh là là, mais c'est vraiment... Ah, il va être bien ce stream. Enfin, un jeu où je vais pouvoir carry. Je suis nul, quoi. Je suis nul. Non, mais c'est encore pire de le savoir, quoi. C'est-à-dire que je préférerais être dans l'innocence et dans l'ignorance totale. En mode... Ouais, en mode, bon. Oh là là, c'est bon, là, je sais mes trucs et tout... Non, toi tu fais les petites tourelles de détection comme ça. Ouais. C'est intéressant comme jeu ça. C'est pas mal. Ouais. Pour les drops, c'est pas mal. Et donc là t'as vu avec tes mutas, enfin sauf si tu veux les hide, c'est-à-dire les cacher en fait, ouais, eh bien tu peux aller chercher cette truc. Mais bon sinon je jamais de mes marines. C'est... Ouais, ouais, on attend. Alors tu sais, il y a le truc Dark Templar et compagnie. Ouais. Ah non, c'est des stalkers, bon. Des stalkers bons. Tu peux étendre ta fumeur muqueuse. Alors là ça warp, tu zélotes pour l'instant, d'accord. Je vais faire un petit corbal au cas où. Non, je vais lancer mon... Oh là là, mais j'ai pas de gaz, mais je fais nimp, je suis trop nul. Non, mais je suis trop nul, j'en ai ras-le-bol. Oh, j'adore. J'en ai déjà ras-le-bol. On continue ce stream jusqu'à 3h du matin. Ah, je suis trop mauvais. Donc là, t'as le drop qui est ici, hein. Tu vois, t'as le point rouge sur la carte. Ouais, c'est complètement mais robuste. Y a un ops là. Et y a un ops, ouais, je viens de voir ça. Je vais même steampack pour y aller. Comment ça se fait qu'on le voit? T'as un overseer, t'es vraiment trop un PGM, quoi. Je sais même pas comment ça se fait que tu acceptes de jouer avec moi. Mais c'est cool. Bah ouais, je suis un mec sympa. Par contre, ouais, c'est vrai, à propos de la macro. Alors par contre, il y a des zélotes dans ton écho. Ouais, c'est vu. Et tu peux aller chercher le drop avec tes mutas maintenant qu'ils ont été vus. Le drop, il est complètement chez moi. Il faut que je teamback. Meurs. Ok, un HP, sympa la luck. Ah non, par contre, là, tu reviens, t'es mort. Mais reviens. Oh god damn it. Tu sais qu'il reste un stalker dans la base. C'est du sang de ta mythe. Hein. Ouais, oh, je steam pas, je vais l'avoir. Oh. Non, j'ai tout perdu. What? Oh, putain, t'as perdu tous tes mutas? J'ai perdu tous mes mutas. Où ça? Ah, j'étais en train d'arras et j'ai la macro à un moment. À un moment, la macro elle est mignon. What the fuck? Ah, c'est des stream hackers, tu crois? What the fuck? Je sais pas. Hein. Ah, je sais pas. Je vais scanner pour voir ce que ça fait en face. À mon avis, ils se sont bien foutus de ma gueule. Et. Ok, ils sont nuls. Ils ont 3 drones par base là. Attends, mais.
genre la B1 qui est full minerai. Bon, ils sont nuls, si on attaquait. Moi j'ai que des marines, c'est facile. De toute façon, à ce jeu, faut faire que des marines quand t'es Terran. D'accord. Moi j'ai vu ça dans les streams pro là. Ils font que des marines. Donc je vais faire que des marines. Là, je vais faire 1000 casernes. Attends, j'ai 5 macro-watch. J'ai 10 milliards de minerai. T'as 5 macro-watch, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est devant chez nous. Il y a masse unité. Masse unité, masse. Masse, ou... masse, masse unité. Genre là, il y a un colosse qui fait son malin. Ah, il y a 2 unités. On y va. On y va, on leur fonce dessus. Ouais, moyen. Non, pourquoi ça débarque pas tout dans tous les bunkers? Il y a des machins là, des Goliaths, des Goliaths. Des colosses. Oh merde, j'ai fait que des drones. Oh, il est pas en siège, viens dehors, lège. Mais je peux pas, j'ai trois putain. T'as 2 unités? J'ai 3 cafards, mon gars. Et sur toutes mes racks, là, j'ai fait des drones. Oh my god. J'ai fait des drones. 2 unités. Ok, la vache, j'ai 3-4 tubes. Et bah, cette fois, on a loup. Ok, t'as 3-4 thunes, nickel, lège, tu gères. Tu gères. Bon, ça va se passer, ça va se passer. T'envoies sérieusement du pâté. Tac, réparons. Réparons. Donc, moi, j'ai pas du tout, en fait, le. Voilà, non, pas du tout. J'ai pas du tout, comment dire, j'ai pas. Je suis dans la. Bah, ça se passe mal. Est-ce que t'es, mutat, tu peux aller sniper les fucking. Bon, en fait, là, j'ai plus d'écho, tu vois. Ah ouais. Genre, quand t'as 3-4 minerais, tout ça. Mais moi. Attends, je te passe de là-dessus. De l'autre côté. Non, ne m'en passe pas, je vais faire une demande plus simple. Voilà, tiens, clique sur le bouton à droite, envoyer. Voilà, magnifique. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Voilà, hop. Donc là, il y a. Donc les Zerglings contre les Colosses, ouais, c'était mais pas, faire... forcément, à l'instant T, la meilleure solution. T'inquiète. Et là, j'ai perdu toutes mes unités. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave. Ah. Par contre, t'as 1000 drones inactifs dans ta B1. Ouais, bah j'arrive. J'ai perdu mon corbeau et mes deux banshees, comme toi, comme un retard sur la B2 en face. Pas parfait. Non, putain. Oh merde, mon gars. Bon bah on est parti. Hein. Oh, je suis en train d'attaquer tes unités. Oh merde, c'est le team fight. Oh, t'aurais pu me prévenir. Bah oui, je croyais que t'étais prévenu. Focus les colosses actifs, putain. Oh oui, j'arrive. Oui, merde. Oh, Simon, t'es moi. Oh, on s'est fait défoncer. Mais non, trop pas. Tes Zerglings. J'arrive. Les mutas sur les colosses. À défaut d'avoir des fucking corrupteurs. Détruis-moi ces colosses qui ont 100 kills chacun, par pitié. Je t'en supplie de tout mon cœur. Là, je vais détruire les chars avec ma micro légendaire, Dadidadère. Allez, meurs. Ok. Je gère. Heureusement que la prod de Marine, c'est vraiment exceptionnel dans le jeu. Allez, bim. Meurs. Je poursuis. Ils ont complètement posé le campement ici. Hein. Là, ils ont installé les tentes, hein, je te le dis. C'est une catastrophe. Et alors, par contre, donc je voulais quand même lift ce truc pour le. Quoi qui a explosé là? Il y a un truc qui a explosé dans ma base. On est d'accord. Attends, c'était quoi? Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Est-ce que c'est pas les Dark Templars? Les Dark Templars, alors non. Alors, regarde, donc là, je perds toutes mes unités. Voilà. C'est ce que je voulais. Ouais, t'inquiète. Alors, et c'est quand que t'arrêteras de faire des mutas et tu feras de vraies unités? Ah, bah, des links. J'attends ce moment avec impatience. Et là, moi j'ai plus de ressources, mais j'ai plus de base en même temps. En fait, on a vraiment perdu. Hein. Ah ouais, là c'est la merde. Là, c'est vraiment pas très bien. Donc, je vais me placer ici. Attends, go. Ok, go. Ah, ouais, go, vas-y. Oh putain. Oh, là, il y a beaucoup. Non, là, il y a beaucoup. Attends, j'ai encore 3 buts. Je vais à ras. Skip back. GG, c'est quoi? T'es malade ou quoi? Je sais pas là, mais moi j'ai plus l'habitude avec League of Legends. Bah ouais, GG HF. Pourquoi tous mes VCS sortent? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? En fait, ils vont là. C'est là qu'ils vont. Et je vais envoyer des manœuvres mules. Allez. Bon, elle était moins bien celle-là, mais c'est parce que c'était Zerg. C'est beaucoup plus difficile, quoi. Non, mais c'est beaucoup plus difficile. Vraiment. Parce qu'à un moment, j'ai vu mon income monter à 4K. J'ai deux hatches. Ça va être un souci, je sais pas comment je vais prendre. Oh, j'ai honte, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, Zerg, c'est beaucoup plus difficile. Je vais regarder d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi sur IRC. J'ai honte, mec. Vous êtes combien? Vous êtes 2700. Déjà, ça c'est bien. J'ai honte. Oh non, mais un partout pour le moment. Un partout. Tant de viewers pour tant de conneries. Un partout. On lâche pas. On lâche zéro sur ce stream.
40 minutes de stream. Tu vas jouer random encore? Ah oui, oui. Je vois pas où est le problème. Mais moi je suis nul en Terran. En fait c'est aussi ça, hein. Je suis vraiment très nul en Terran. Ah ouais, c'est pas facile Terran. Moi je trouve ça très dur. Non, seriously. je trouve ça vraiment dur. Toi c'est ta race main, tu penses? Non, c'est Protoss. Bah ouais, moi je viens de voir 3, donc tu vois. Donc quoi? Bah gros unit, pas beaucoup de gros coups. Quoi, tu joues à NE? Ouais. Ok. Ah, ouais, je joue à NE. Mais tu te rappelles? Ça va, ta gueule. Ok, bon, on va refaire les 2v2 quand même, hein. Ça passe vite, hein. Tu te rappelles pas? Stop. Je pensais pas qu'il était 18h40. Ouais, mais on est reparti là. Moi je pensais qu'on ferait une game 5 minutes, une game 5 minutes. Donc, petite pause. Évidemment. Petite pause. Et on repart direct. Voilà. On repart direct. Donc, moi tu t'es bouche cousue. A tout de suite pour les générateurs en Cataskraft. Ok, donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, bien sûr, nous avons... avec nous. Donc, il y a un mec qui a dit 5 minutes de pause. Mais c'est pas 5 minutes de pause, c'est, ah ouais, c'est 45 secondes exactement. C'est exactement de 45 pause, secondes. Pendant laquelle il ne se passe rien, vous ne ratez rien. Donc, voilà, on vous diffuse une petite publicité. C'est comme ça. Tu pourrais nous expliquer un petit peu Les publicités? Bah, je peux faire un exposé sur ça, si vous voulez, ouais. Pendant à peu près 3 heures. Donc, tu peux faire 40 minutes... 40 minutes d'exposé, ce serait pas mal. 40 minutes d'exposé, ouais. Bah allez, c'est parti. Attends, donc, la game est repartie, là. Ah bon, bah, on focus sur SC2. Et là. On est sur une map très jolie, puisque, regarde, ça forme des cœurs brisés, un peu. Oui, bien sûr. Mais elle s'appelle Bastion Désaffecté. Bien sûr, c'est un cœur brisé, évidemment. Oui, et à l'envers, ça fait autre chose. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Un papillon? Un cœur brisé. Ah non, pas du tout. Et là, ça fait... Je vois un Lynx. Enfin bon, voilà. Donc Blur en face de nous, très bon groupe de musique. Blur, ouais. Très bon groupe de musique, et surtout l'autre Protoss. They call it K.O. Yeah. Alors Protoss très connu. Oui, évidemment. Très très connu. Il jouait dans l'ancienne équipe des Fnatic. Voilà, c'est ça. Mais, après Dignitas. Mais sur War 3, Rock. Sur War 3, Rock. Ouais, uniquement. C'était même... Ah non, c'était avant. C'était Warcraft 2. C'était Warcraft 2, exact. C'était Warcraft 2. C'est exact, c'est vrai. Je m'en rappelle, il jouait... Bah, il jouait Orc. Puisqu'il n'y avait que deux races à l'époque, humain et orc. Pas d'unité différente. Voilà, full kata, après full dragon. Full kata. Oh, je suis Terran, la vache. Je suis Zer. Oh non, c'est lourd. Six pool. Non, mec. Six pool, va poser une baraque chez les mecs. Non, six mais pool. Mec, six pool, c'est pas ça. Hein. Six pool, c'est tu fais même pas de drone au départ. Hein. Ah, moi je fais un drone. C'est ma tech. Donc c'est seven pool. Bon, bah c'est seven pool si tu veux. Seven pool. Alors, il y a un mec qui floude crash, sauf que ça n'a pas crash du tout. Donc, on a le retour, donc ne dites pas des bêtises. Donc tant pis. Mais donc, voilà, c'est J'aime bien le 7 pool parce qu'on fait pas grand chose dedans. Et puis on part pas dans une macro game, etc. Alors là, attends, j'étais full AFK. C'est bon. Tu vas poser une baraque. J'ai posé même deux racks en fait. Oula. Je vais aller poser double rax à 11. Tu veux pas faire. Moi je fais Lynx, toi tu fais des maraudeurs. Quoi, de quoi tu parles? Oui, maraudeurs. Non, des maraudeurs avec double rax à 11, c'est pas possible. Ah. Non. Écoute. J'ai fait du cheese pendant 2 mois. Écoute, soyons sérieux, 5 minutes. Double rax à 11, maraudeur. Ça ne marche pas. Donnez-moi Chong pour 2v2 avec lui. Lui il connaît le double rax 11 maraudeur. Non, ça ne marche pas. Double rax à 11 maraudeur, là tu te fourvoies complètement. Donc ça suffit maintenant. Bon, ils sont où? Est-ce que tu peux me ping leur position? Ils sont complètement là et là. Ah d'accord, très bien. Complètement là et là, je pars sur double Rax, la première Rax est posée soon. Donc comme on avait prévu. Et là en fait ils vont pas voir de Rax chez moi, donc ils vont savoir que je double Rax. Et ouais, moi ils ont vu aussi ce coup là. Le 7 pool. Oui bon, hein. Et le 7 pool. Ah, voilà. Et ben voilà, on est parti. Alors, il y a un mec qui voulait que je fasse des baraques en bac, après je move, mais c'est un peu risqué. Donc, je préfère faire mes petites double racks ici. Tiens, t'as vu? Alors, je sais pas si vous connaissez, sur SC2, vous pouvez être à 11 sur 10 de population. Oui, on connaît. Ah, on connaît. Alors, à War 3, est-ce qu'on pourrait
Non, si, avec les elfes. Avec les elfes, oui. Parce que tu fais l'ancien des merveilles, t'as nul pour éviter le Deathcoil, tout ça. Ça ne servait à rien. Et oui, puisque tout coûte 2 de pop, de toute façon, avoir 3. Donc, bon, j'ai envie de. Sauf les Wyrm. Ouais, les Wyrm, ça, toi. Donc là, t'as des Gling, et tu sais que c'est pas par là qu'on monte. Ah ouais, merde. Non, mais je sais que t'es au courant. Je sais que t'es au courant. Tu veux pas m'attendre? Et pourquoi ça passe pas? Ils ont déjà fermé? Oui, bien sûr. Non. Ah, il m'a vu, ça y est. Tu peux avancer, commencer à taper le wall. Oh la vache, 2 protos, c'est win. C'est win? Ouais, c'est win. Ah bon? Bah oui, c'est win. Tu peux pas rusher les protos. Tu peux pas. Regarde, il y a des élotes. Donc déjà, on va casser tous les pylônes. Ah ouais, c'est pas faux. Donc là, ensuite, je vais faire un bunker en bas de sa base. Attends, 2 secondes, tu peux pas taper par. Vas-y, fais-le tourner un peu dans la base. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mec, fais-le tourner, ouais, nickel. Regarde, BOUM! Ah, nickel, le circle, PGM, la vache. Ça, celui-là. Celui-là, oh, il envoie son pesant de cacahuète. Tu veux taper les sbires ou... Je veux taper les sbires, la vache, alors ça. Alors là, tu vois, les sbires quand même. Attends, je pensais pas que t'oserais. Les fougères, mais les sbires sur SCV quand même. Oh merde, j'ai fait que des drones. Oh là là, c'est quel micro, putain, quel micro, la vache. Ok, go, on y va. Allez, viens là. Oh, maître Master of StarCraft, c'est moi. Voilà, voilà. Oh merde. Attends, j'arrive. J'arrive. Mais retourne pas pour le mettre un petit. Mais je peux pas, on peut pas. Enfin, c'est galère de Lieutenant avec ces grosses merdes de marine là. Tu reviens avec quelques lignes ou pas? Quelques lignes, pas beaucoup parce qu'en fait j'ai bien problème. Bon, ils perdent tout leur. Ils font masse des lots, ils perdent tellement de temps. Bon, nous aussi. Alors par contre, tu peux aller dans l'écho, va dans l'écho. Ouais, bah j'y vais. Va dans l'écho. Bah dans l'écho, moi je vais aller dans l'écho aussi, tiens. Y'a pas de raison. Voilà, hop, attends, déjà je vais tuer tous les potes. Alors voilà, on va aller. Oh, y'a un bon stalker. Et je pense qu'ils vont quitter parce qu'ils ont trop de pression. Moi je suis en train de faire la demi. Non, pas du tout. Là ils vont quitter, là y'a trop de marines. Je suis en train de faire des drones. Quitte direct, y'a trop de pression. Hein. Pars sur le plan B. Le plan B? Ouais, Banshee. Banshee, non, y'a pas de plan B, Banshee. C'est plan B, je te jure, je suis sur plan B. Nickel, je gère, je prends sur moi. Alors toi tu perds ton Zélote déjà, voilà, on repart. Paf, 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 je suis en train de tellement pas macro. Oh là là, j'ai tellement pas de dépôt de ravitaillement et tout, la vache. J'ai tellement mieux. Quoi. Attention, ton marine. Ouais, je me fais défoncer, je sais. Oh, je t'ai sauvé. Alors, attends, bon, j'y suis. Tac, hop, on y va. Ah, y'a des stalkers. Oh la vache, ça c'est nul. Ah, mais je t'avais dit, Ça c'est nul les stalkers, j'aime pas trop. Non, mais je t'avais déjà pas ça. Ok, bon, on a eu tous les marines ici, on va décoller. Le bunker, on essaie de le garder, et moi je suis parti donc sur. Je vais aller sur, mettre mes trucs là-bas. Mutalisk. Où est mon VCS? Il est mort, non, il est là. Mutalisk. Ouais, voilà, comme ça. Des viewers vont bien comprendre que je suis une personne aérienne. Alors, dans une autre vie, j'étais pilote d'avion. Il me faut du gaz, mais qu'est-ce que je suis mauvais. Mais c'est un truc de fou, quoi. Comment on peut être aussi nul à un jeu vidéo? Mais c'est un truc de malade. Je suis deg, quoi. Tu sais qu'ils nous attaquent maintenant, on a perdu, t'en es conscient? Ah, complètement. Ok, c'est cool. Ça fait plaisir. Je vais me mettre au milieu du chemin. De toute façon, je vois leur sortie. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des DT, peut-être? Ils feraient un truc genre méga contre Cheesy. Non, ça, je suis pas trop d'accord. Ok, ça marche. Donc non, attends, j'ai 4 racks, je me suis un peu emballé. Tac, on va mettre 6 VCS. Ok, quoi encore? Quoi? Ah, y'a rien. Répare automatiquement sur le jeu, pour voir. Ouais, ok, trop tard. Super. Ouais, merci. Eh ben merci, super. Donc on peut compter sur les VCS. Et ouais. Et ouais. Oh, allez, bim! Allez! Je suis nul, quoi. Allez, ça sert à rien. Trop nul. Non, mais ça me désespère trop. Bon, je livre, je suis nul. Oh là là, t'as pas d'écho! J'ai rien! T'as pas d'écho, mon gars! Eh, pendant que tu faisais Mumuse, toi, avec ton T2 là. Ouais? Bibi, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, t'as posé une B2 quand même! Ouais, alors elle va mourir, soon. Ah, mais elle est posée. C'est-à-dire. Oh, c'est déjà ça. Le mal est fait, quoi. Le mal est fait. Alors, juste 2 secondes, parce qu'en fait, je vais peut-être, genre, une fois que ma B2 sera sortie, la faire décoller pour la rendre safe et se défendre du rush. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de prendre position sur les Zelnaga Tower. Ouais. Ok, one darling. Ok. Bon, moi j'ai mis un VCS là pour voir quand est-ce qu'ils arrivent. J'imagine que ça va pas trop tarder à B2, tout ça. Moi je fais des morts odeurs. Morts odeurs? Des morts odeurs. Morts odeurs. On fait odeurs. Tourner le matos. Tac. Oh la vache. Je clique sur tout. C'est bien simple, je clique sur tout. C'est vrai? Ouais. Mais moi, pas du tout. Moi, c'est bien simple, je mouse-clique tout. Et mais genre tout. Genre, je
ne fait aucun raccourci. À part si, ouais, le VCS et le dépôt de ravitaillement. Tout le reste, c'est... Ah oui, je voulais te dire, à propos des raccourcis. Ouais. Alors, non. Alors non, je pas du tout en fait. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ça marche pas ce que t'as fait? Ça marche pas du tout. J'avais oublié de vous dire. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, c'est... Et pour quelle raison? I don't know. True story, je comprends pas pourquoi. Okay. Par contre, on regarde sur le cœur. Il y a un mec qui a dit que tu pouvais kill plus de sons dans Kaitan et tout, mais vous savez, moi. comment dire, j'en suis pas là quoi. J'ai appris hier que je voulais dire Kaitan. Bon, au bout d'un moment, respectons-nous. Hein, respectons-nous. Bon, j'ai 50 d'énergie là, je le sais, voilà, donc un peu de respect. On va faire Mass Marauder et pendant ce temps-là, des Maureen. Très bien. Maureen. Un petit maraudeur là-dedans, ça fait plaisir. Alors le Steam Pack, ça en est où? C'est sur les écrans. Je veux rien dire. Mais on continue le VCS de l'autre côté. Alors par contre, je vais être supply block. Donc je vais faire des supply dépôts. Est-ce que tu es overglock? Overblock? Pas du tout. T'es super glauque comme type. Super glauque comme type. Comment ça se passe, la glauque? Alors, ah, ça spike hein. C'est quoi, c'est Battle.net? Ça spike? Tu trouves que ça spike? Ah ouais, ça spike complètement. Oula, il y a énormément d'unités, apparemment. Oui. Alors, non. Ah si, si, si. Alors, c'est pas prévu. Je vais partir sur Mecha. Pas du tout. Je vais partir sur Bureau. Mais partir, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire, je vais tenter quoi. Ouais. Ok, j'ai le Steam Pack, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que ma B2 est... Oh là là, oh le bordel! Oh le bordel, chez moi, fast! Oh, comment ça chez toi, fast? Oh la mec, c'est trop la merde de l'autre côté, quoi. Non, mais c'est ça bon, va, bon, t'as bon. L'argent assez pour te défendre. Ah ouais. Alors que moi, ma B2 est morte. Ah bon? Quoique! Oh! Oh! Oh, si j'ai de la chance! Non! Non! Oh, j'ai eu de la chance! J'ai eu le temps Steam Pack en plus de l'autre côté. Oh, j'ai eu de la chance, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Elle était genre à 1 HP,1 et j'ai réussi à la sauver. Oula, au bordel! Tac, des chars, c'est quoi l'amélioration? Je fais. Oh là là, je clique sur tout, mais quelle horreur! Pareil! Je clique sur tout! I click on every. Ah, on tiens, every j'ai sync! Fait, j'ai fait deux queens. On every sync. Gégé. Des dépôts de ravitaillement! Trop de minerais! Il faut dépenser son minerai dans ce jeu! Ouais, trop bien! T'as masse ressource? Non. Non, t'as pas masse ressource, c'est vrai. Il n'a pas masse ressource, je me moque pas, il n'a pas de masse ressource. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce VCS? On va par là. Ouais, est-ce que tu peux ouvrir ton wall? Il est ouvert. Il est ouvert, pas de problème. Complètement ouvert, ouvert à tout. Alors là, je vais faire un... Non, pas ça! Je vais faire un réacteur. Je vais aller arracher un petit coup, mais à mon avis, je vais me faire défoncer. Non mais pourquoi? Il y a du photon. Pourquoi tu fais des mutants? Partons des choses simples. Non mais tu vois, 4 mutas, le mec se met un petit peu la pression, on fait du... Ouais, il overreact, tout ça. Exactement. Ok. Donc tu vois? I know what you mean. Ouais, ouais. Bah je sais bien. Mais je le sais bien. Alors attends, est-ce que j'ai trop de VCS? Non, mais on va quand même faire un petit transit. Voilà. Est-ce que j'ai trop de VCS moi? Comment je peux le voir? Combien c'est déjà? 24? Tu sélectionnes et ta ligne de minerai c'est 3 lignes. Ah, tiens. Oh putain, mec. Donc, vous avez pas vu, mais il a perdu tous ses mutas. C'est bon, non mais j'ai... Donc là, t'as trop de drones, je pense. Un peu trop. Non? Est-ce que t'as 3 lignes si tu sélectionnes tous tes minerais? T'as plus de 3 lignes, t'en as trop. Non, mais c'est pas tout. En gros, 2 lignes et demie, c'est pas mal. Tu vois, 2 lignes et demie, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien en fait. Voilà. Bon. Je n'ai pas, toujours pas, hein, de Medivac, ça arrive. Tranquillement, mais sûrement. Ouais, ça va être bien, ouais. On va continuer les Marines pour ce temps-là. Alors là, je suis en mode Foodlings, hein. T'es en mode Foodlings, ouais. C'est très bien, c'est la meilleure unité. Ouais, je kiffe que tu fasses ça au bout de 15 minutes de jeu, c'est parfait. Bon, il y a des ultralisques aussi qui vont arriver. C'est pas vrai. T'as fait des ultras? Bah, on a perdu. Tu sais qu'à ce jeu, c'est celui qui fait des ultras qui a perdu. Ah bon? Ah oui, tout le temps. Même à niveau pro, hein. C'est pas. Ça, c'est. C'est marrant. On m'a dit que c'était l'unité T3. Et sinon, attends, est-ce que tu comptes B2 un jour? Mais j'ai B2. Tu sais qu'il faut B2 avant 10 minutes dans ce jeu. Non, mais on s'est pris un peu. J'étais obligé de. Annule. Et bah, ou naze. On va passer aux choses sérieuses. Très bien. Moi, j'ai des unités, hein. Honnêtement, je peux faire 2 ultras. Ah bah c'est bien. Honnêtement, ça se passe plutôt bien. J'ai des units, j'ai des mini caves comme dirait l'ami. Oui, c'est The Best qui faisait ça. Mais The Best, mais enfin, mais pas du tout. Ok, tu veux pas étendre tes tumeurs muqueuses, t'as pas envie de les faire jump de la colline. Eh hey, oh. Genre tu fais un creep highway avec un overlord. Écoute ce que je dis. Tu prends un overlord, tu vas chier du creep, tu fais creep highway. Là, on voit le pro player de StarCraft 2.
Tu vois, là j'avais pas pensé à ça. Et pourtant c'est la solution. Et pourtant c'est obvious. Bah non, mais... c'est pour ça qu'il fallait. Alors il y a un autre truc que tu dois faire, c'est l'amélioration de vitesse des overlords sur ta... Non, non, ça je peux pas faire ça. Bah si, tu vas le faire, parce que c'est évident que tu vas le faire. Je vais continuer de faire des casernes, parce que j'ai encore trop de minerais. Alors par contre, eux ils ont posé les deux depuis un bon moment. Alors oui, mais moi aussi en fait. Hein, Faudrait penser à faire un truc. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi ce que je te propose c'est que tu fasses des meilleures unités. Ah non, mais moi genre, j'ai... oh mec, t'as des cercles. J'ai beaucoup parce que t'es, attends, t'as tier 3 donc. Ouais, ouais. Dans le spawning pool, fais les machins là. Dans la vitesse pool. D'attaque des Zerglings dans le spawning pool. Ah ouais, c'est vrai, ça serait pas mal de faire ça. Tu l'as fait? Mais oui. Oh mec, attends, je sais pas. Mais... T'es full Zergling à 17 minutes. Tu sais qu'il y a carré l'autre là dans la première game. Ouais, ouais, avec 3 unités. Exactement. Dit-il en montrant 2 avec sa main. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut y aller. Est-ce que je fais un drop de la mort et t'essaies de faire un Nidus de ouf? J'ai pas de Nidus. Ah, encore. Tu as fait la carapace chitineuse des ultras? Non, fais-la. Non, ouais, ça j'avoue, ça j'avais pas fait ça. Tu vois? Tu vois? Ouais, j'avais pas assez de. Bon, faut que je fasse des améliorations moi d'ailleurs. Je suis full. Oh là là! J'ai beaucoup trop de minerais. 1, 2, je vais en faire 2, comme ça j'améliorerai des millions de choses. Et pendant ce temps-là, je vais même faire une armurerie et un fusion core pour faire des battle cruiser plus tard. Merci d'inonder la map avec ton creep, espèce de bâtard. Comme ça, on ne voit, mais alors plus rien. Il y a un obs au-dessus de moi et meurt. Voilà, meurt instantanément. Heureusement que j'ai l'œil du Tego de Lynx. Alors, qu'est-ce qui se passe? Surtout que t'es intelligent. Mec, t'as 3 ultras. Mais ça va, ça va. Imagine si nos deux armées se rencontraient dans des fougères, par exemple. Ouais, bah je te défonce. Oui, oui, oui. Que même si je siège pas mes tanks, je perds aucune vie. Non mais oh bah, t'es de... Un peu de respect. Ah, à la gold. Quoi la gold? La gold, regarde, on est en train de poser. Ok, on y va. Attends-moi, je t'en supplie. Mais non mais c'est bon là, je suis parti. Ok, go, vas-y. Tu sais qu'ils ont la tour de Yanaga et qu'ils doivent arriver. Non mais ça c'est over. Oh. Non mais ça va bien se passer. Il faudrait que je récolte du gaz sur les B2 peut-être. C'est pas mal. On serait bien comme ça. Bon, j'ai trop de minerais, ça y est. Oh là là, je vais les défoncer. Bon, par contre là, Wildland. Attends, je me mets en siège, j'ai la tour Xel'Naga. Go! Oh là. Oh bordel! Oh là, ça va pas du tout ce qui se passe! J'arrive. Oh le colosse! Oh les colosses! Oh, c'est la fin. Oh, c'est tellement là. J'ai perdu tous les unités. Les colosses, mec. Non, j'ai pas perdu tous les unités. Et moi je suis en train de gérer de front, sinon ça va. Vous voulez pas attaquer les colosses, bande d'imbéciles de chars d'assaut de fou? Mais deux quoi. Attaque ça, bordel. Allez, meurs. On gagne en fait. Ouais, attends, regarde ce reviens, PGM. Reviens. Pouh! Oh les dames. Voilà. T'en attendais où là? T'as gagné ouais, toi là, ouais. Moyen? Ouais, je vais aller dans leur écho. Sur la B3. Ok. Ok. Moi je leur fonce dessus. Ok, y'a masse, la vache. Et meurt. La course contre la montre. Okay, j'ai perdu tous les lignes. C'est bizarre, tiens ça. C'est bizarre, t'as pas tous les lignes. Et les Medivacs qui sont en train de tomber là. On en parle, on en parle pas. Bah, ceux qui sont tombés, ceux qui sont vides, enfin comme les PGM quoi. Bien sûr, évidemment. Alors j'ai 2 queens, si tu veux. 48 de pop. Bah écoute, 48 de pop. Bah c'est loose. Pas de B2. Bah, attention, warning. Et ben c'est loose. J'ai 224 de minerai, j'ai du gaz. Tu veux du gaz? Qu'est-ce qu'on est mauvais. Je vais faire des torts. Allez hop, des torts. Et des medivacs. Des medicaves, tiens. C'est quoi ces drones là? Non, mais c'est juste qu'il faut que je lead la game. C'est conceptuel ou. Faut que je lead la game, faut que tu suives les strats. Non, mais lead. Ah, tu vois, t'as pas fait le plan B. J'ai pas fait le plan G. Contre Mass Stalker, faut faire Bunchy, putain. J'ai entendu ça dans un guide. Je suis nul, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il nous rase ou il s'amuse encore 10 minutes avec nous? Je lis ce que mettent les gens sur IRC. Ah ouais, bon, c'est pas mal. J'ai dit que je faisais des medivacs, mais en fait j'ai changé d'avis. Parce qu'effectivement, j'ai dit que je fais des medivacs et j'ai cliqué sur viking comme un abruti. Mais parce que j'ai trop de medivacs en fait, je le sais. Donc j'ai fait plutôt des vikings. Donc voilà, pour les colosses. Oh, bah GG. GG, hein. GG, sauf quoi. Dernière tête, je prends le Péron. Ouais, ok. Ah non, mailing, pardon. Tu veux dire ta main unit? C'est ça.
Enfin, quand je pense qu'on... Attends, t'emballe pas, mon gars. Ouais, c'est parti, j'ai non, vu non, des non, non, t'emballe pas. T'emballe pas, mon gars. Est-ce que je peux mettre... Non. Il y a même tes couilles, mais t'es vraiment une catastrophe. Ah bah ouais, là, c'est... Ah, c'est bon, là, on passe, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merde. Fais des dégâts, je suis là. Bon. Regarde, on tient bien, vas-y, continue le micro, là, t'es... Vas-y, c'est bon, là. Je joue Terra, attends. Non, c'est où? C'est là. T. Attends. Est-ce que je prends des VCS et je répare mon tort? Oh non, vous. C'est qu'on gagne là. Au bas, non, non, non. Si, on gagne. Ah, j'avais pas vu les. Les jours de briller, t'en bas? Non, j'avais pas vu ça en fait. Ah, là, ça aussi, oui. Mais on. Non, mais on perd pas forcément. Pas forcément, enfin, ça y est, BD quand même 4 bases. Ils sont où mes vikings là? Ah, ils se sont fait instant kill. Et puis okay. Ils ont les golds. Ouais, mais on a bien tenu. Je suis content. Ouais, super, ouais, on va bien. Enfin, j'ai bien tenu. J'ai bien tenu. Bah écoute, hey, pour cette défense. High five. On a gagné, on est trop fort. 25 minutes de game, on peut dire. On dit par contre, par contre, on peut faire la contre-attaque parce que j'ai vu 1500 de gaz. Ok. Toi aussi. Je fais un last drop. Ils vont rien comprendre. Je fais un last drop dans la. Là, ici, là, dans la gold là-bas. Mais qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Et moi, mon objectif, ça va être de trouver mes 8 unités dans la game. Parce que t'as 8 de pop, c'est ça. Et tu les as trouvées, elles sont là. Non, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est vrai. Et t'as pas une queen. C'est bon, j'ai trouvé Tourelle Zel Naga, le Lynx qui est là. Voilà, qui est content. Ouais, alors la prochaine, si je. Alors là, il y a des photons, d'accord. Je ferai. Ah, là aussi, d'accord. Une seule unité, je ferai les cafards d'Erator. Cafards d'Erator, d'accord. Elle est pas mal ce jeu. Regarde ça. J'arrive avec. Oh le. Regarde ça. Merde. Ah mais en plus c'était sur l'autre pied. Oh je retain run pas. Non mais attends, je vais t'aider. Ah si je retain run, allez. Oh les. Oh allez, meurs. Ouais. Ah mais y'a ces péons là, nickel. Allez, je fais le bloc, c'est bon. Excellent. Attends, y'a du gaz sur mes péons, attends, je mac. attends, je micro. Ramène le gaz. Oh merde. Ramène le gaz sur toi. Derrière. Oh gaz. Ah Je suis bloqué. Attends. Voilà. Ah, t'as pas dit GG. Ah, bah non, je dis Proto Simba. C'est suffisant. D'accord. Okay. Bon, moi, j'ai dit GG. Qu'est-ce que t'as pensé de cette game? J'ai trouvé qu'on était pas mal parti, mais malheureusement. Attends, pas mal parti, mais non, c'était l'Apocalypse. Ah non, c'était bien parti. Non, c'était l'Apocaslip, je suis désolé, le push. Rappelle-toi. L'Apocaslip. En fait, je sais pas ce qu'on a fait comme erreur. On aurait peut-être dû aller dans l'écho direct pour de focus des zélotes comme des gritards. En fait, à un moment, lors de mon deuxième push links, j'aurais dû en avoir 6. J'avais 6 drones. Je me suis... Non, attends, t'as amené des drones dans la base ennemie? Non, c'est juste que je me suis planté de hotkey. Parce que voilà, donc comme toujours, on revient à la base. C'est-à-dire que je n'ai pas mes hotkeys. Donc en fait, j'ai fait des drones et c'est à ce moment-là où j'ai dit plan B. Je peux pas le savoir. Plan B. On part sur autre chose. Donc dès la 3ème minute de jeu. C'était. Tu t'es dit plan B. Ah bah oui, c'était plan B parce que j'avais fait des drones donc à la place des Lynx. Donc eux c'était des golds. Hein. On avait battu des golds tout à l'heure. C'est à dire qu'on se maintient quoi pour l'instant. Donc il y a quoi? Il y a 1-2 là. Ouais, merde. C'est des golds. Bon, je suis meilleur de la game. Ce qui est normal puisque je suis diamant. En quelle saison? Tiens, regardons. Quelle saison? J'ai pas fait mon match de placement. Oh bah mince. Carrière 1 contrat diamant. Équipe maître. Ouh. Équipe maître, ouais. Ligue actuelle, nul. Donc vous êtes nul. Déjà les mecs. Alors déjà, je suis pas nul. Bon, alors attends, tu sais ce qu'on. Regarde-moi, tiens, je connaissais pas ça. Tiens, oui, alors voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Diamant. Diamant. T'es diamant. Obtenu une fois. Obtenu une fois. Au début, il n'y avait pas plus haut que diamant. Donc, le 27 juillet 2010. C'est ça. Et après, j'ai arrêté ce jeu. Non, il n'y avait pas plus haut que platine au début. Non, il y avait diamant. Ah non, si j'étais diamant, c'est qu'il y avait diamant. Après, j'ai jamais refait. Non, c'est parce que diamant c'était apparu juste après, donc t'as dû jouer un petit peu, genre un mois ou deux. Mais au début, il y avait que platine. Il y avait cuivre, bronze. Cuivre. Il y a toujours cuivre, bronze, silver, gold, platine. Et ils ont enlevé cuivre et ils ont mis diamant de l'autre côté. T'as beaucoup plus de noms que de doigts sur ta main. Et ils ont mis, regarde, ils ont enlevé cuivre et ils ont mis diamant de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont, enlevé les gens qui sont au fond. Ils ont rien fait. Ouais, ils ont enlevé un métal pauvre. Tous les mecs qui étaient en bronze, ils ont dit merde. Tous les mecs qui étaient en cuivre, c'était là. J'ai Abdeling. Non mais. Et les mecs. Eh. Pouf. Ils étaient. Non mais c'est clair. Hop. Les mecs étaient là. Attends, j'ai Abdeling ou pas? C'est qui a Abdeling? C'est qui a Abdeling là?
tu vois, c'est le qui mec, qui est plus dernier, c'est qui ? Le mec était trop content, c'est ça. Et ses trois potes qui étaient en bronze. Ah oh, putain, merde, qu'est-ce qu'ils ont fait, ouais. Battle.net ? Ah non, c'est chaud maintenant, faut que je l'aie pas l'argent. C'est chaud, c'est galère. Non mais voilà, donc c'était... Alors attends, on va pas retag. Parce qu'en fait, il faut que nous fassions la petite pause afin de nous... Bah qu'on puisse payer nos salaires. Enfin sur mon salaire surtout. Ton salaire. Voilà. Sur ton salaire qui est de, je crois, 11 000 euros ce mois-ci. Oui, par mois. Alors, parce que j'ai une petite prime. Net. J'ai une petite prime. Donc non, mais sans compter les primes. Ah, sans compter les primes ? Ouais. Ah bah 55 euros. 5 euros ? 55 euros. 55 euros de sacrée prime. Ah oui, alors vite la pause alors. Vite la pause. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? On retag. Il est 19h07. On a le temps. Elle était courte celle-là. Ah ben non, 20 minutes. 20 minutes. Comme toutes les games de StarCraft 2. En fait. Bah non, comme toutes les games de 2v2, on va dire. Moi, mes games 1v1, c'est du 6 minutes 50 à peu près. Ah, c'est marrant ça. Moi aussi, c'est à peu près ça. Je finissais les tournois très en avance par rapport aux autres. Ah oui. J'étais genre demi-finale, le mec en lower bracket et tout, il était là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis en deuxième de finale. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, comme je jouais que contre des cheesers aussi, bah ça. Et ouais, bah oui. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Nestra Azuné, donc l'une des meilleures équipes de V2 de Bennett au passage. Ouais, j'ai vu ça, ils ont été recrutés donc par une équipe. Oh la vache! Oh, on va gagner! T'es zéro. Non, c'est bon, il est en kill! Attends, fais gaffe, 1v2, c'est gagnable. Hein? Fais gaffe. Il y a des mecs qui. Ah bah. Oh. Et voilà. Et allez, la petite pause et on revient! Allez, la petite pause, on revient dans le... Après dans la game, la pause! Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais là, donc une belle victoire. On a bien. Ça, on a... c'est nice. Et on est à notre quatrième match de placement. Et ça fait 2-2. Ça fait 2-2. 2-2. Alors après, non, mais tu sais qu'il y a des mecs qui font exprès de tag en 2v2. Et il y en a un qui live pour que les mecs fassent du 2v1 juste pour le trip. Genre des masters qui prennent un AK. Regarde. Avec un. Regarde. Quoi, regarde qu'est-ce qu'on a gagné. Des diamants avec une petite étoile dorée. Diamants, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans la merde. Parce que ça veut dire que là, le jeu se dit, ces mecs-là. Ces mecs là, c'est des ouf. Ils ont battu des diamants. Donc voilà. Oh, très positif. Moi je me sens. Oh je me sens. Et c'est reparti pour une autre partie avec Silver et Thalys. Alors. Proto c'est aléatoire. Mais c'est pas les mêmes. Non. Si. Non, pas du tout. Si. Non, pas du tout. Il y avait l'avatar de Kerrigan et je ne sais plus quoi. Donc. Silver et Thalys. Si vous nous regardez. Dites-le. Non, je t'ai rade. Encore Zerg. Le jeu a sa charme. Oh non, vas-y, je me casse. Oh le random buggé. Mec, j'ai fait que Terran. J'ai fait Zerg. J'ai la première partie. Attends, est-ce que j'ai fait que Terran? J'ai fait que Terran. Si, j'ai fait que Terran. Tu étais pas Terran la première game, t'étais Zerg. J'étais Zerg. Ouais. Oh non, merde, c'est des stream hackers. Ouais, merde. Qui sont faits au DGG. Alors, non, moi je te le dis tout de suite, je fais que des roches. Je ne m'emmerde plus avec les unités ou quoi, je fais que des roches. Oh mec, je suis encore Terran quoi. Je vais même pas wall, allez, oh, voilà. Non, mais ne me wall pas, de toute façon, je suis Zerg. C'est donnant, hein. pas de wall. Bah oui, c'est ça. Si tu fais un wall, ils vont chez moi. Donc, je fais pas de wall. Quoi. Je suis taille de deck. C'est chaud quoi. Ah non. Ah non, mais c'est un déprimant. Ah ouais, oh, j'ai oublié mon Overlord. Oh, là, oh non, oh, c'est pas vrai. T'étais à 200 de minerai. Oh, on fait tourner le matos. Ah, comment on place des bâtiments? Oh, ça bug. Oh, je. Oh, là, j'ai un bug de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir relancer le stream. Non, il va falloir que tu débranches la souris. Voilà. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Il a tout arrêté. Il a levé les bras en l'air. What the fuck? Oh my god. Je me stoppe. Ah, ça marche, ça marche. Musée Grévin, ben voilà. Ah, ça marche.
ça marche. Alors moi, avant, j'avais ce bug-là, et quand je débranchais, ça marchait pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais dire, mon cerveau. Oh, t'es méchant. Oh, bah alors. Qui c'est qui a carré la première game? Qui c'est qui a carré la quatrième? Quoi? C'est moi. C'est moi, j'aurais fait peur avec mon nick ultra fame. Ça va, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis parti sur double race, du coup, vu que j'ai perdu de temps avec le bip 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 là. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais qu'on va rallumer la clim. Tu sais que je meurs. Je meurs direct. Oh, je meurs, mec. Attends. Non, mais. Sérieux. Sésame, ouvre-toi. La paix, par pitié, la paix. Oh, j'ai froid. Ok. Oh, la mauvaise oh, qu'est-ce froid. Que j'ai froid. Oh, la mauvaise froid. Alors, par contre, tu vas enlever ton Overlord qui va sûrement mourir par les coups d'un marine. Ouais, mais ils ont pas encore de caserne. Ouais, ouais, d'accord, enlève-le. C'est bon, j'enlève. Oh, yes, le courant d'air. Oh. J'ai eu froid, je me caille. Oh, quel bonheur. Prochaine pause, on enlève, mec. Oh, là, là. Oh là là. Et là. Oh, je me fais un chicanon. Oh, je suis un débile mental. Oh. Non, mais oh, putain, c'est loose. Mais non, c'est pas loose, j'arrive. Zerator, on ne perd pas cette. On ne perd pas cette cinquième. Je me casse. On ne perd pas cette cinquième game, Zerator. Je me casse. Je me casse. Mais très bien, mais oui, en plus, t'es. Mais c'est parfait, regarde, le mec est débile. Le mec est débile. Le mec est deg. C'est bon, c'est bon. Le mec est juste deg en fait. Il aurait fait ça chez moi. C'était mort. C'était mort. On avait perdu la partie. D'ailleurs, je vais l'enfermer chez lui, regarde. Hop, il va falloir faire d'autres canons pour s'en sortir. Oh la vache. Je suis deg. Je me fais rush photon. C'est un peu comme si. C'est un peu comme si Nadal prenait une balle à 200 km/h lui-même, tu vois. C'est un peu. Je suis deg. Après, je te fais un roche photon. Non, mais tellement pas quoi. Un petit roche photon, ça me plaît de faire ça. Tu sais que j'avais étudié, mais peut-être toutes les possibilités de strat avec les photos, moi à la base. Mais moi aussi, non, mais en fait, je dis ça parce que j'ai beaucoup fait des roches photons et j'ai un BO parfait en protos pour le roche photon. Ouais, comme tous les joueurs. Non, j'ai le timing parfait. Je l'ai. Avec le chrono boost à 9, ce que personne ne fait et pourtant c'est parfait. Donc voilà. Bien sûr, c'est rappeur. Je dis ça en toute modestie, je suis le meilleur. Ok, alors là il va faire un truc, mais là faut peut-être pas déconner. Je veux dire, à un moment, respecte-toi un minimum. T'aurais pas pu tirer d'en bas? Si. Je suis en train de me poser cette question. Mais en fait, je voulais la probe. Oui, bah oui, bien sûr. Regarde, et là je l'ai eu. Et comme ça, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. C'est la fin du rush. J'ai envie de limite laisser son pylône pour pouvoir l'insulter. Mais en fait, non. Non, joue en sécurité. Joue en safe. Ouais. Joue en saf. Joue en saf. Ok, bon, alors. Reprenons nos moutons des esprits. Où est-ce qu'on en était? Où est-ce que j'en étais? Donc le mon BO, il est parfait. Ça c'est bon. Le BO, c'est bon. Le rush, c'est bon. Ah, j'ai la reine sur IQ quand même. Oh la vache. Ça c'est cool. J'espère que j'ai pas fait un réacteur. Donc c'est bon. Et donc on s'est fait rush photon. Non, okay. Moi non. Toi oui. Je suis dead. Regarde, j'ai quand même pas mal de cafards. Cafards. Mais si tu veux, on attaque le toss, hein, parce qu'un mec qui rush photon. Ouais. Avec des cafards. Mais il faut y aller maintenant, c'est-à-dire que vu qu'il streama, qu'il a entendu, donc là il est en train de faire des photons, tu vois. Donc. Donc faut y aller vraiment très vite. Bref. Allez, allons voir. Moi je commence à faire des maraudeurs, je fais une petite bio-ball là, bio-ball des familles, des fougères. Alors t'es cafard, donc t'as B2, alors t'as beaucoup de drones sur la B2, non c'est bon. J'ai ta queen, n'oublie pas tes petites injections. Tu vas par où là? Je regardais s'ils avaient pas. Oui, bien sûr. La gold sur 7 minutes avec un mec qui a photon. Bah, moi c'est le genre de strat que je fais. Exactement, c'est que. Des zélotes, d'accord. Oh, des faucheurs. Ah, d'accord. Ah, là, dans la merde. Et ben j'ai envie de dire que notre rush fera mal. Ah, ça je crois que. Alors là je suis en train de tout perdre, c'est cool, c'est méga cool. Laisse-moi monter. Assez vénère. Vas-y, avance, mec. Avance. Va dans l'écho, mec. Dans l'écho. Dans l'économie. Parce que écho, c'est économie. Économie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de me détruire moi, mais nous, on est en train de détruire les deux. Ah non, juste le terrain. Ok, il a tout décollé, il a live. Alors, il a abandonné. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va nous circuler? Est-ce qu'il va le tenter pour perdre max BCS? Non, pas du tout. Il est pas tard. Pas du tout. Il est pas tard. Bah, du tout. Ah non, BCS. Bon, tu sais qu'ils arrivent chez toi. Bon, je te dis ça en toute amitié. Là, on va aller plutôt chez le Protoss en fait. C'est-à-dire que il y a un partout au niveau des gens détruits pour l'instant. Ok. Oh là, regarde chez moi. C'est assez incroyable ce que je suis en train de faire.
c'est bon. T'as TP tes cafards, ça? Non, pas du tout. Allez, viens attaquer le proto. Non, mais oh! Non, mais avec les autres cafards. Eh mec, tu vas voir quoi ou pas? Alors. Ah, mais c'est... il est là-bas! Ah, comment? Il y a des photons chez le TOS. Ah, c'est bon, il a pas fait des photons en wall. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Du coup, on va pouvoir le détruire aussi. Donc, on a gagné. C'est cool, GG. On a franchement les seuls streamhackers qu'on a rencontrés. On a réussi à gagner. Bravo, bien joué. Bien joué, félicitations. Je te félicite, Lège, pour cette game qu'on a win. Viens, 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 droite, 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 à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, attends. À droite, à droite. Mais bordel. Je fais une self-photon. Alors là, tu vas détruire l'ennemi. Ouais, attends, j'arrive. Ok. Quelle est la position de l'ennemi? La position de l'ennemi, elle est... Nord-nord-ouest. Défavorable. Elle est quart sud-est, ouais, voilà. Qu'est-ce que... J'ai plus de dépôt, du coup je peux pas faire de caserne. Mais... alors là il faut gagner, hein. Il faut faire des dégâts en fait. C'est... Ouais, c'est... Bah, j'arrive. Non mais c'est-à-dire qu'il y a deux stalkers et tu recules avec trois cafards. Quatre mais, cafards. Mais regarde, il y a beaucoup de perrons. Oui bah... Ouais. Et toi t'es avec ton mari, il est en train de micro. Bam, j'en ai eu un. Et toi t'en as eu un? C'est genre le gars. Et toi alors? T'en as eu un toi? Bah alors non, t'es moins fort. Alors voilà, exactement. Bon alors attends, je vais faire ça. ouais. Donc là, le moment où j'ai plein de minerais. Go, go, go! Go! Perfect. Go, 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 go! Go! Comment on fait pour... Ah, j'ai pas de caserne. Tac, go! Vas-y, avance, avance! Fonce, fonce, Slimane, fonce! Vas-y, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. J'attends de le voir, la victoire. Regarde, je l'écris même. C'est bon. C'est gagné. Oh, par contre, je me fais hit et tout par les stalkers, j'aime pas trop ça. Non, mais t'inquiète, t'as masse, t'as tellement d'unités, t'as même une queen qui arrive, je vois. Ah ouais? J'ai pas une queen qui arrive. Je vais poser une tumeur, moi. Et voilà, alors. Je rêve de mes unités. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Alors, ouais, bon bah GG, félicitations pour cette game. Est-ce que t'as le temps d'envoyer cet Overlord ici? Est-ce que t'as le temps de faire ça ou pas? Ah ouais, ouais, j'ai le temps. Moi, je me suis mis à reprod des marines. Là, j'ai l'impression que... Qu'on est des meilleurs, qu'on est meilleurs. Ouais, je suis d'accord. On va être à 3-2. On va être à 3-2. Après avoir battu des diamants. Ce qui est pas ce qui est pas nul, hein. Ce qui est pas nul pour deux imbéciles comme nous. C'est plutôt pas mal. Je suis assez content, je suis assez surpris. alors attends, bon je sais pas pourquoi ils quittent pas, c'est ça le problème, c'est qu'en général les gens ne savent pas qu'ils ont perdu. Donc il doit y avoir un mec ici, hein. On est d'accord, je pense qu'on est d'accord. Attends, j'ai la queen, j'ai la queen. Tac, on va être quoi là? Je pense qu'on va être quoi? Gold à ton avis? Attends, j'arrive plus à rien faire. Ouais, ah, il est chez moi avec ma unit, comment c'est possible? Viens m'aider. Je n'ai plus d'unit. Ok, c'est loot. Mais comment ça se fait? Bah le mec T'as pas 2-3 glings? T'as genre rien. Attends, j'arrive avec des glings. Dis-moi quand tu go, j'envoie mes péons. Ouais, mon écho qui avait mis tant de temps à se refaire. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Ouais, non, j'ai pas très envie. C'est quand tu veux. Barry, c'est quand vous voulez. Alors attends. Ah, j'ai fait un truc de PGM, mais ça, j'ai mis du temps à le faire. Là, il voit plus rien, c'est ça. Moi non plus. Ok, c'est attention, attention, ton mec! C'est de l'autre côté! C'est chaud, faut pas le perdre, faut pas le perdre, faut surtout pas le perdre! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est bon! Ça arrive pas! Par contre, si tu peux attaquer avec tes unités au lieu de faire du mouvement. Oh, il perd tout! Il perd tout! Allez! Vas-y, on continue sur les photos, comme ça je peux me poser sur la bière. Go, 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 go! Non, pas du tout. Non, arrière, arrière! Arrière, fast! Arrière, fast, fastement, fastement! Bon, on a loot. Hein. Alors, il y a d'autres unités Terran qui arrivent. Je te dis ça en toute amitié. Et c'est la merde. C'est un peu la merde. C'est-à-dire que lui, Warp Full Stalker, ils sont full ressources. En fait, le Terran, je sais pas où il est. Peut-être là. Vas-y, non, je peut-être là. Ah, il est là. Il est là, le Terran. Il est là. Alors là, je suis un peu déçu, je t'avoue. Alors, bon. Attends. Posons-nous. Oula, il y a beaucoup de Stalker. Ah, ouais, il y en a trop, mais. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. En plus, j'ai pas de quoi poser mon CC. Bordel, quel bordel. Ah, je me fais full attaquer. Je me fais aider. Ah, je me suis posé à côté, mais comment c'est possible? J'ai tout mauvais. Bon, on va lose, alors. Je pensais qu'on allait gagner. Je sais pas comment c'est fait de faire des dégâts, tu vois. Non, mais... Des fois, on gagne, mais souvent, on lose.
Allez go là, t'aurais pu essayer de hein, quand même, de circle. Bah ouais. Rien. Non, est-ce qu'on pourrait pas foncer sur les canons en masse? Non, je crois pas. Attention, ça. Tu sais, les canons, c'est pas, c'est assez overrated. C'est assez overrated, les canons. Ouais. Moi, je commence à avoir de la mince. Hein. Ouais, mais moi, je commence à rien avoir. Et le Protoss revient, évidemment. Très intelligent, t'as vu, ils font un double front. Quand l'un attaque, l'autre attaque. Wow. Et là, je perds toutes mes unités. Attends, j'arrive. Mais genre, toutes mes unités. Bouge, bouge des trucs, je te vois rien faire. Chut. Toi. Rien, défense. Ou pas vraiment, mais ça va. Y a... Bon, quoi que, est-ce qu'il y a pire vraiment? C'est-à-dire que t'as des cafards AFK derrière là, loin du clavier. Non, mais pas de... Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors par contre, je perds tous mes vaisseaux. Mais fais les taper avec tout. Non. Mais pourquoi? Mais parce que, on a assez, c'est bon. Tu peux éliminer le dernier qui est dans mon écho, s'il te plaît, qui tue tous mes VCS un par un et qui a 8 kills, 9, 10. What? Mais élimine-le, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais OMG! Mais regardez-moi ce retard bloqué sur sa case. Bon, ok, je vais taper, j'ai compris. Donc le Stalker, 12 kills, hein, d'accord? Avec les unités de lèche à côté. Hein. On est d'accord. Oh, on est d'accord. Ça fait plaisir. File-moi du gaz et du minerai, bordel! Mais demande, attends, demande le minerai, demande. Voilà, go! Go, 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 go! Oui, bah envoyez! Ah, t'as pas de gaz! Quelle tarde, mais quelle tarde! Il me faut du gaz! En plus, t'en ai demandé trop! Je... C'est bon, j'arrive! Y'a des stalkers! Y'a des stalkers! Mais beaucoup? Oui, sensiblement. Suffisamment, en fait. Et j'ai un chat! Et quelques maraudeurs qui arrivent. Mais en fait, on peut pas gagner cette game, j'ai arrêté. on peut pas gagner parce qu'on est mauvais. Tu cherches quoi? Tu cherches le terrain? Il est là. Ah ouais, c'est bon. Tu peux lui foncer dessus. Oh là là, quel pro, tu fonces en run by. En plus, t'as des glings qui font le tour de la map, t'es vraiment un PGM. GG, on défonce le terrain. Il a plus de... T'as cassé ses casernes du coup, c'est ça? Oh, j'avais oublié que j'avais ça! Non, j'avais oublié que j'avais ça! Oh, j'avais oublié. T'as des cafards dans mon écho, l'ami. Enfin, laisse-moi faire d'autres trucs beaucoup plus importants. Ouais, t'inquiète, je sais, on a gagné, je sais qu'on est en train de gagner, je le vois. Je le vois comme toi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. No manners. Je dis GG. Mais ils m'ont rush photon. No manners. You lost. GG, you lost. Ouais, ouais. Tu dois voir ce qui va se passer. Et là, 20 Battle Cruiser. What the fuck? What the fuck? De minerai épuisé. Non, on va pas faire ça. On va faire direct un réacteur. J'ai assez de gaz maintenant. Dis-moi quand. Je fais les maraudeurs pour l'instant. Maraude. Je maraude à fond. Nos alliés. Donc lui, il a plus de pylônes, on est d'accord. Ok. Donc là, ma base est safe. Je peux aller attaquer avec toi. On va aller anéantir ce terrain qui nous saoule. Depuis le début, c'est-à-dire qu'il fait son malin et son beau là. Alors qu'en fait, il est mauvais. Attends, je vais prendre tous mes VCS disponibles et faire que des casernes. Ok, je viens de faire un truc. Et ça aussi. Et encore plus de casernes. De casernes. Et plein de dépôts de ravitaillement. Il faut utiliser son minerai à StarCraft. C'est bon, je peux arrêter de macro pendant 20 minutes. Voilà. Toutes mes unités ne récoltent plus. Parfait. Elles sont toutes en train de produire des bâtiments. Bon, j'ai pas d'unité aérienne par contre, toi non plus, c'est cool. Allez, viens, on va chez nous. Ok, là, il y a des VCS. On les chope. Mais bien sûr. Ah, faut aussi choper la B2 là. Quelle B2? Alt-G. Alt-G. Ouais. Ok, il a deux unités, go. Eh ben, GG. GG, faut leur dire. GG, 0 APM pendant 20 minutes. Moi, je suis en mode bien là. Ils doivent être taille, deg. Alors j'ai pas le steam pack, j'ai pas l'obus incapacitant, moi j'ai rien. Oh, tu sers à chip. Ouais, je sers à chip, pardon. Non mais si, je me suis bien relevé. Là j'ai 10 000, ah ça y est, j'ai mis 10 000 racks. On peut retourner macro. Super. Ah mais je suis Terran quoi. Je prends la macro à la source, tu vois. Nos alliés sont attaqués. Hop là, on va refaire un petit dépôt de ravitaillement. Tac. T'as pas du minerai par hasard? J'ai du gaz. J'ai pas à 400k par exemple.
D'accord. Vas-y, je vais te faire une petite demande de gaz, histoire qu'on win serein et safe. Voilà. Très bien. Une petite demande, effectivement, j'ai 1000 de gaz. Je t'ai donné combien? J'ai demandé 350, non? Non, 150. 150, ah oui, bah oui. Bah, c'est petit. C'est léger, c'est suffisant. Donc là, ils ont dû décoller leur bâtiment, ils veulent qu'on les trouve, c'est ça? Donc je vais me mettre à faire des vikings tout de suite. Oui, voilà, s'il te plaît. Voilà, parce que bon, hein, ça, on connaît les gens qui râlent, tout ça, en 2v2, qui en ont pas, sont pas très contents de perdre. À mon avis, ça va nous insulter un petit peu. Bah, c'est des stream hackers. Ah non, ça livre. Ça rage quitte. Ça livre tout simplement. Ça rage quitte. Pas de GG, pas de allez, on continue votre émission, c'est sympa. Rien du tout. Rien du tout, les mecs. Alors, bah, écoute, sympa la diplomatie sur. Bravo, non mais bon exemple. Hein. Non, mais GG mentalité. Ouais, GG mentalité. On disait sur League of Legends. On est gold. On disait sur League of Legends, mais là. On est gold. On est gold. Ah, je suis un peu déçu. Ah ouais? Ouais, je suis un peu déçu. Bah, ouais, je pensais qu'avec ces 3 wins, ces 2 défaites, en plus on bat des platines. C'était des platines. Et puis là, on les a défoncés. Ouais. Ouais. Oh, t'es déçu toi aussi. C'est l'heure de couper la VOD. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Donc, petite pause, je coupe la VOD. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Je suis au taquet bien là dans la game, je suis premier. On en parle juste après. On en parle juste après. A tout de suite.